L'histoire des frères Barberousse commence vers le milieu du XVe siècle par l'arrivée à Mytilène, l'ancienne Lesbos, île de la mer Égée proche du littoral turc, de Jacob Raes, soldat d'origine chrétienne venu de Roumélie, qui s'y installe comme potier. Il engendre quatre fils, Haroudj, qui naît en 1474, Elias, puis Isaac, et enfin Kirz, qui voit le jour en 1476. La famille vit dans la misère. Les quatre frères sont d'abord potiers, comme leur père. Mais Haroudj, l'aîné, a d'autres ambitions et il choisit de s'embarquer. Très vite, il devient corsaire au service des Turcs après s'être converti à la religion musulmane. Ses frères ne tardent pas, eux aussi, à abandonner le tour et l'argile pour s'élancer sur les mers. Mais au cours d'un combat avec un bateau ennemi, où Elias trouve la mort, Haroudj est fait prisonnier et envoyé à Rhodes comme esclave. Mais il parvient à s'échapper et à rejoindre ses frères. Ils décident alors de travailler pour leur propre compte et deviennent bien vite des pirates redoutés. Tout en poursuivant leurs activités lucratives, Haroudj, Kirz et Isaac mettent leur bateau au service des Morisques, les descendants des conquérants arabes de l'Espagne qui fuient l'Andalousie et les conversions de force imposées par la reine Isabelle la Catholique à partir de 1499. Ces réfugiés viendront peupler tout le Maghreb et notamment la Tunisie. Car depuis 1504, la Goulette est devenue le port d'attache d'Haroudj, de Kirz et d'Isaac. Ces deux derniers, eux aussi, se font musulmans. Kirz devient Kéredine, Isaac devient Hisrak. Quant à Haroudj, on le surnomme désormais Barberousse à cause de la couleur de son système pileux. C'est le départ de la légende des Barberousse. Bientôt, le port de la Goulette est trop petit pour contenir tous les pirates qui se sont joints à eux. Les trois frères décident de partir pour Djerba, accompagnés de 1000 hommes. Haroudj organise une grande fête pour célébrer l'événement. Le pouvoir des pirates, que les chrétiens appellent maintenant « barbaresque », s'étend de plus en plus. En 1512, le seigneur de Bougie, impressionné par tant de puissance, fait appel à Haroudj pour chasser les Espagnols, qui contrôlent une grande partie des côtes nord-africaines et qui l'ont chassé de son trône. Haroudj accepte et part pour l'Algérie, laissant Kéredine à la Goulette avec le gros de la flotte. Au cours des combats, Haroudj perd son bras gauche. Il abandonne le siège de Bougie et rentre à Tunis se faire soigner. En mai 1516, Selim el-Eutemi, le roi d'Alger, demande lui aussi à Haroudj de l'aider à se débarrasser des Espagnols qui occupent une forteresse, le Peinon, juste devant l'entrée du port. Barberousse y voit l'occasion de s'emparer d'Alger. Feignant dans un premier temps la soumission, il étrangle dans son bain Selim el-Eutemi. Haroudj se proclame roi d'Alger.
Mais cela ne suffit pas à son besoin de pouvoir. Après avoir laissé à Kéreddin la régence d'Alger, il part bientôt, accompagné de Hisrak, conquérir Tlemcen et l'ouest de l'Algérie. Mais sa bonne étoile l'abandonne. Les Espagnols réagissent, le coupent de sa base arrière, assurée par Hisrak, qui est assassiné. Assiégé dans Tlemcen, Harout tente de fuir, il est rejoint et il meurt, tué par les Espagnols en 1518. Ainsi disparaissait, à 44 ans, le premier des Barberousses, l'enfant misérable de Mytilène, qui avait su, par son habileté et sa vaillance, se tailler un territoire à la dimension d'un empire. Kéreddin, devenu le nouveau Barberousse, se retrouve maître d'Alger. Mais il est affaibli, cerné de toutes parts par des populations qui cherchent à se défaire de cet encombrant tyran. Il a alors la suprême habileté de faire allégeance à Selim Ier, sultan de l'Empire ottoman, en lui proposant la suzeraineté du pays qu'il vient de recevoir en héritage. Selim Ier accepte aussitôt, envoie à Barberousse 2000 hommes, très bien armés, bientôt suivis de 4000 janissaires, et le nomme gouverneur de la ville avec le titre de Bey. Mais lorsque Kéreddin tente de s'emparer de la Kabylie, il est battu par l'armée hafside et doit quitter Alger en 1520 et se réfugier à Djidjelli avec sa flotte et ses trésors, où il reprend sa vie aventureuse de pirate. Ses multiples prises de navires chrétiens lui permettent de reconstituer son armée et de reprendre ses conquêtes. En 3 ans, il s'empare de Kolo, puis de Constantine, et de Beaune, un abat, et enfin, 3 ans après l'avoir quitté, il reprend Alger, la cité si chère à son cœur. En 1529, il décide d'en finir avec le Paynon, toujours occupé par les Espagnols, qui l'empêchent d'être maître à part entière d'Alger. Après 10 jours d'intense canonnade, la vieille forteresse tombe le 21 mai. Son commandant, Don Martin de Vargas, se rend avec 53 rescapés. En 1531, l'amiral génois Andrea Doria, qui s'était mis au service de Charles Quint, tente d'envahir le royaume d'Alger à l'aide de 20 galères bien armées. Il débarque à Cherchel, à l'ouest de la capitale, avec 1500 hommes. Après s'être laissé surprendre, les soldats turcs de Barberousse se reprennent et bombardent les bateaux de Doria. Les chrétiens sont obligés de s'enfuir, abandonnant de nombreux morts et plus de 600 prisonniers. Barberousse, devenu le premier Belherbé, affirme ainsi son pouvoir sur la régence d'Alger. Mais il ambitionne d'agrandir son territoire et se tourne vers Tunis. Mais pour conquérir ce royaume, il a besoin de force. En 1534, il se rend à Istanbul auprès de Suleyman Ier afin de lui demander de l'aide. Il est accueilli en grande pompe, le sultan le nomme capitaine Pacha et lui accorde l'aide demandée. À la tête de la plus importante armée navale jamais vue, Barberousse s'élance vers Tunis. Le 16 août 1534, il jette l'ancre devant la goulette où la population l'acclame. 2 jours plus tard, il s'empare de Tunis. Il proclame la déchéance des Hafsides et étend très vite son pouvoir sur la Tunisie tout entière. Il installe une garnison à Kairouan. L'empereur Charles Quint s'inquiète de ce succès. Rassemble une flotte de 400 navires commandée par Andrea Doria pour reprendre Tunis. La goulette tombe le 14 juillet 1535 et Tunis une semaine plus tard. Mais Kéreddin Barberousse est déjà loin. Pressentant une défaite, il est parti pour Beaune rejoindre ses navires pour rentrer à Alger. Après plusieurs années de combats navals où il montre sa vaillance et son génie, mettant à mal les flottes espagnoles et vénitiennes, aidant le roi de France François Ier à combattre Charles Quint, Barberousse est rappelé à Istanbul par Suleyman à la fin d'avril 1544. C'est là qu'il passe les dernières années de sa vie aventureuse et hors du commun. Il meurt en mai 1546, très regretté par les Turcs qui l'admiraient pour ses exploits.
Il est enterré dans un riche mausolée au nord d'Istanbul, au bord du Bosphore.